Je vous dis en titre, Michel Platini, 51 ans, est un homme heureux. Il vient d'être élu à la présidence de l'Union européenne de football, l'UEFA, par 27 voix contre 23 Suédois, Lennart Johansson, 77 ans, qui occupait cette fonction depuis 1990. C'est la consécration pour Platini à Düsseldorf, Pascal Pont. Michel Platini, 27 voix. Lennart Johansson, 22 voix. Pour la première fois, un ancien joueur professionnel dirigeant l'UEFA. L'institution qui organise le football en Europe. Premier discours, première émotion, Michel Platini, président. S'excuse. Je suis ému, énormément ému, et je suis heureux. Quand je passe ma lève, d'abord, on avait une grande victoire, on recevait une coupe. Et qu'avec ses amis, on faisait le tour de l'étranger. Aujourd'hui, c'est une grande victoire pour moi. Mais je ne fais pas le tour de l'étranger. Je suis qui va commencer. C'est le début d'une aventure. Cette victoire est un symbole. Michel Platini, 51 ans de triomphe, de Lennart Johansson, 77 ans. Il a promis des réformes, un slogan à vulgariser, le football au footballeur. Le football est un jeu avant d'être un produit, il est un sport avant d'être un business. Voilà l'esprit que Michel Platini veut insuffler à l'UEFA. Il a 4 ans pour réussir. Alors Pascal, vous êtes en direct de Düsseldorf, on imagine la joie de Michel Platini qui n'osait pas y croire tout en y croyant quand même. Exactement, il aura tout réussi, Michel Platini, étoile du football dans les années 80, vainqueur des championnats d'Europe des nations en 84, bâti le ballon d'or avec la Juventus de Turin, joueur fair-play, élégant, magicien qui débloquait les situations sur le terrain avec ses coups-francs. Là, de certaine manière, pareil, il a débloqué la situation dans les derniers instants. 27, 23 et deux abstentions, c'est dire si ça a été serré, il l'a fait en replaçant le jeu au cœur de son programme. Alors bien sûr, on ne va pas faire l'angélisme, bien sûr, le football est un business, bien sûr, le football est un marché, bien sûr, le football est un produit, mais avant tout ça, c'est un jeu. Et ça, c'est le message de Michel Platini, et il a une certaine fraîcheur. Merci beaucoup Pascal.